Allez, c'est parti pour la présentation de ce vélo, ce cube stéréo hybride 140 de 2018. Voilà, vélo que je viens d'acheter vraiment sur un coup de tête parce qu'il était en promo sur un site allemand Bike Discount. Donc reçu par DHL, tout s'est bien passé. Donc c'est l'un des vélos qui a une batterie intégrée au cadre, c'est ça qui est sympa. Une batterie Bosch qui se trouve ici, donc pour ça que je l'ai acheté. Je trouve vraiment maintenant que ça a fait un progrès incroyable, ces VTT électriques. J'y connaissais pas grand chose. Ça ressemble donc à un gros vélo, quoi. Bon, ça reste vraiment imposant. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc dérailleur Shimano 11 vitesses. Il n'était pas réglé, donc j'ai dû le régler. De ce côté-là, l'amortisseur, j'y connais rien, quoi. Hein, ça reste super souple. On le bloque ici, on peut régler ici aussi. Et il y a la valve de pression de ce côté-là. Là, le petit aimant qui permet au capteur de pas de vitesse, si sans doute de vitesse quoi. Et donc de récupérer l'information de vitesse de rotation de la roue. Les freins. Enfin, je vais lui faire un demi-tour. Voilà. Et côté guidon. Bon, alors ce que je trouve vraiment incroyable, c'est maintenant c'est la largeur des guidons quoi. J'étais habitué à avoir un guidon comme ça, maintenant c'est hyper large. Bon, je sais pas si c'est forcément un avantage, parce que dans les petites single track avec des branches, on doit s'en prendre un peu plein la gueule. Bon, l'ordinateur de bord, on va dire simple et vraiment fiable, avec son fameux mode EMTB, qui semble être un nouveau mode de chez Bosch, donc qui s'adapte automatiquement à ce qu'on fait. Ça, c'est sympa. C'est tout simple, hein. On l'éteint. On l'allume ici. Voilà. Et on change le mode. Tac, tac, tac. Allez, l'autre côté maintenant. Donc, je suis dans un super lieu, cimetière Saint-Pierre à Marseille. Un des plus grands cimetières de France. Magnifique. C'est une présentation originale pour un VTT, je trouve. C'est surtout, par cette chaleur, il n'y a personne. Évidemment. Oh là là. Respect des morts. Bon, quoi d'autre? Donc le frein, frein arrière. Je crois que c'est le même frein arrière et avant. Ça, c'est pour retirer la roue arrière. Je ne sais pas comment ça marche encore. J'en ai même aucune idée. Je pense qu'il faut le tourner. Closed. Hein, il faut le tourner. Il faut appuyer comme un bourrin. Bon, bref. Le moteur Bosch. Bosch. Performance Line 6. Voilà, j'ai oublié le nom. Bien intégré le machin. Vraiment bien intégré. Alors, ça, je trouve pas ça terrible. Une petite branche là et paf, le bidule est arraché quoi. La gaine est arrachée. Bon, je sais pas. Je vais m'enseigner sur les forums pour voir ce que ça donne. Et de ce côté-là, pareil, même frein. La fourche Suntour Ion. Et des superbes pneus tubeless. Les roues sont vraiment légères, je les ai pesées, c'est assez impressionnant. Bon, côté batterie, j'ai pas la clé, donc comme ça c'est réglé, je peux pas la retirer. Mais il y a une molette qui est ici, tac tac tac. La batterie elle pèse 3 kg, une belle bête. Et là on a le capuchon de recharge intégré au vélo, ça évite de sortir la batterie. C'est un peu léger aussi je trouve ce truc, mais bon, voilà. Voilà. Sacré vélo! Sacré vélo! J'ai hâte de voir ce que ça donne dans des vraies conditions qu'on peut trouver à Marseille.
l'arrière-pays niçois aussi, ou même le Var tout simplement. On fait facilement 1000 mètres de dénivelé. Donc voilà, un vélo pour les vieux quoi. Un vélo pour les vieux. Voilà un truc impossible à faire avec un vrai VTT. Bon, la descente, évidemment. Tant qu'elle est vraiment bien. La montée. La montée. Évidemment, avec un vrai VTT, c'est pas possible. C'est trop facile. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais réveiller les morts. Hein. Ah, le vélo, c'est pas interdit dans un cimetière.